Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo WordPress qui s'adresse principalement aux débutants. C'est une question qui revient beaucoup quand je forme des personnes et notamment des débutants, puisqu'elle concerne la mise en place d'une page d'accueil et la modification d'une page d'accueil. Alors, ce n'est pas le design de la page d'accueil en soi, mais le fait de définir comme rôle d'une page le rôle de la page d'accueil. Donc, on va le voir sur WordPress comment le faire et vous allez voir que c'est très simple. Je suis actuellement sur un site que je viens de créer. Donc si toi, tu veux tout simplement définir juste ta page d'accueil, que tu as déjà créé ta page d'accueil, tu peux passer à l'étape d'après. Dans le cas où tu commences aussi sur WordPress et que tu es bloqué parce que tu veux créer ta page d'accueil mais que tu n'arrives pas à la définir, on va le voir ensemble de l'étape 0. La première étape, comme tu le vois actuellement, c'est que tu n'as pas tout simplement deux pages d'accueil, puisque ta page d'accueil, c'est les articles qu'il y a sur ton site, comme on peut le voir sur mon écran. Donc là, si je clique sur page d'accueil, je tombe bien sur mes articles, et là sur l'article de base qui est créé par WordPress. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est aller sur notre page d'accueil, et on va aller définir, on va aller créer une page d'accueil. Donc pour ça, il suffit d'aller dans page, et dans page, vous avez ajouté. Quand on est sur Ajouter, là, il faut nommer ta page d'accueil. Donc, ta page d'accueil, ce que je te conseille, c'est de ne pas mettre page d'accueil, puisque c'est générique, ça n'apporte rien à ton site ni à ton référencement. Donc, ce que je te conseille, c'est soit de mettre le nom de ta marque, ou soit de mettre vraiment le mot-clé qui englobe le concept de ton entreprise. Par exemple, là, actuellement, j'ai un organisme de formation. Je pourrais mettre organisme de formation, mais pour le coup, je préfère mettre en avant le nom de mon entreprise qui est Morpheus Formation. Donc ce que je vais mettre comme nom de ma page d'accueil, c'est Morpheus Formation. Hop, Morpheus Formation. Une fois que c'est fait, on ne va pas voir comment la designer et ce qu'il faut mettre dans une page d'accueil. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo et ça, tu peux me le dire en commentaire. Il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai donc Morpheus Formation, je publie cette page. C'est fait. On va de nouveau sur notre site et là, on remarque tout simplement que cette page d'accueil n'est pas notre page d'accueil, tout simplement, qu'elle n'a pas été définie comme notre page d'accueil puisqu'on le voit, on tombe encore une fois sur les anciens articles qu'il y a sur le site. On ne tombe pas sur la page Morpheus Formation qui est dans le menu ici à droite. Voilà. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne l'a pas encore définie. Ce que je t'invite à faire encore, c'est tout simplement de créer aussi une page pour avoir tes articles. Puisqu'on va aussi pouvoir définir ce qu'on appelle une page des articles, où là, il va y avoir tous tes articles qui se mettront automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est encore une fois, page, ajouter, et là je vais nommer blog. C'est souvent comme ça qu'on appelle la page des articles. Donc une fois que c'est fait, je publie, et à partir de là, il va falloir que je définisse le rôle de ces pages. Puisqu'on le voit encore une fois, si je vais dans page d'accueil, je n'ai pas la possibilité de voir Morpheus Formation, je n'ai donc pas encore défini ma page d'accueil et ma page de blog, je n'ai pas tout simplement les articles qui sont présents. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie pour définir le rôle de ces pages. Dans cette partie, on va voir comment définir ta page d'accueil et définir ta page de blog. C'est quelque chose qui est très simple, on va aller donc très rapidement. Pour l'instant, on le voit dans mon site que j'ai créé, je souhaite que blog, la page de blog, soit ma page des articles. Et la page Morpheus Formation soit ma page d'accueil. Donc tout simplement, là on le voit, ce n'est pas le cas, puisque je suis sur ma page de blog, et il n'y a tout sauf des articles dedans, puisqu'une page de blog, c'est bien entendu une page, on va voir les articles qui défilent sur cette page-là. La page Morpheus Formation, que je souhaite comme ma page d'accueil, n'est pas non plus ma page d'accueil encore, puisque si je clique là sur page d'accueil, je tombe encore une fois sur mes articles. Donc je vais devoir aller changer tout ça. Pour ce faire, il faut que tu ailles dans tout simplement ton tableau de bord, ton tableau d'administration, et que tu ailles dans Réglages, et dans Réglages, tu ailles dans Lecture. Donc Réglages, Lecture. Quand tu es dans Lecture, c'est le premier paramètre qui nous intéresse, la page d'accueil affiche. Et toi, ce que tu veux afficher tout simplement, c'est ce qu'on appelle une page statique. Donc je vais cocher une page statique, et je vais tout simplement sélectionner dans ma page d'accueil la page que je souhaite mettre en page d'accueil, qui est tout simplement Morpheus Formation dans mon cas. Et je souhaite mettre une page des articles qui sera ma page nommée blog. Donc bien entendu, toi, si ta page d'accueil se nomme autrement, il te suffira juste de la sélectionner. Pareil pour ta page de blog. Voilà. À partir de là, je vais mettre enregistrer les modifications.
Et tu as terminé, c'est-à-dire que si je retourne sur le site, c'est bien ma page Morpheus Formation qui sera comme une page d'accueil. Je clique et comme par magie, je tombe donc bien sur Morpheus Formation comme page d'accueil. On peut faire le test. Si je clique ici sur page d'accueil, on reste sur la page Morpheus Formation. Et d'ailleurs, si tu veux regarder pour le blog, on voit bien que si je clique maintenant sur blog, je vais bien avoir mes articles qui se mettent automatiquement. Donc là, on a bien défini la page des articles et la page tout simplement d'accueil. Dernière petite astuce, si tu veux vraiment vérifier que c'est la bonne page qui a été définie comme page d'accueil et comme page des articles, je te conseille d'aller sur ton tableau de bord, encore une fois, aller dans page et dans page, tu verras la fonction de la page après le tiret tout simplement. Donc là, on voit bien que blog, c'est la page des articles et que Morpheus Formation, c'est la page d'accueil. Voilà. Très simplement, tu as pu définir et modifier ta page d'accueil. Donc on le voit, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir le faire. Et je te conseille de répéter plusieurs fois cette opération pour que ça reste bien ancré dans ta tête, que tu trouves rapidement comment modifier cet élément-là. Puisque tu le verras, si tu es amené à créer des sites WordPress, c'est une des premières choses que tu vas faire. Dans tous les cas, si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un petit like, de t'abonner pour voir les prochaines vidéos WordPress. Et surtout, n'hésite pas surtout à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu souhaites comme nouvelle vidéo, si tu as un sujet que tu aimerais que je développe sur WordPress, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Et d'ailleurs, si tu souhaites te former, n'hésite pas à visiter notre site qui est dans la description aussi pour avoir accès à nos formations qui sont finançables. En tout cas, je te souhaite de très bonnes fêtes et puis je te dis à très bientôt. Salut!